président de la République de Montmartre. Grand ordonnateur de cette festivité, à qui je donne la parole. Monsieur Mauricis, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Monsieur le maire de Paris, Madame Chirac, mesdames et messieurs les élus, Madame la Présidente, mesdames, messieurs, chers amis, les Montmartrois sont très honorés, monsieur le maire, de votre présence. Nous connaissons l'attachement. Nous connaissons l'attachement que vous portez à notre cher village de Montmartre, ce grain de beauté pour la ville de Paris. Nous vous en remercions beaucoup. Pour la petite histoire, je vous rappelle que si nous sommes réunis ici, c'est grâce à Francisque Poulbeau, l'ami des enfants, qui en 1929, alors qu'il était président de la République de Montmartre, prit position pour défendre ce terrain vague, guetté par certains mercantis de l'époque. Mes amis Francisque Poulbeau et Romain de la Halle eurent l'idée originale en 1931 d'y planter cette vigne, qui produit chaque année ce goulayant piccolo que nous envient les hospices de Beaune et les Clos Rougeaux. Le soleil de septembre, dorant nos grappes, nous a obligés d'activer la récolte cette année. Attendez, j'ai sauté la ligne. Voilà. La récolte a été transportée dans les caveaux de notre mairie pour la vinification. Dans quelques mois, le vin du Clos Montmartre sera décoré, mis en caisse par 6 et vendu aux enchères. Comme chaque année, nos caisses seront venues en aide pour le fonds de bureau d'aide sociale qui viendra soulager nos anciens de l'arrondissement. Je veux remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette belle manifestation. Les jardiniers de la ville de Paris, les compagnons des divers corps de métier, les membres du comité des fêtes, les commerçants, les entreprises. Je remercie également tous ceux et celles qui ont prêté leur gracieux concours pour le succès de cette fête. Les animateurs, les artistes, les confréries vineuses, les majorettes, les fanfares, tous les groupes folkloriques des provinces françaises, les groupes et folkloriques des groupes divers, les demoiselles du Moulin Rouge et nos chers petits poulbeaux. Merci à la charmante Elisabeth Depardieu et au grand troubadour Tino Rossi, marraine et parrain du Clos Montmartre 82. À tous, joyeuses vendanges à Montmartre. Youpi, youpi, youpi.